Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo sans montage. Je déteste faire ça, mais je me dis vas-y, pourquoi pas tester. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite réaction au Nintendo Direct qui va durer une quarantaine de minutes. C'est une exclusivité Nintendo, le fait qu'il y ait deux Nintendo Direct, donc ça va durer au total, comme j'ai dit, 40 minutes. En vrai, ça peut être long. Donc on aura un Indie World, donc c'est des petits jeux indépendants qui ne sont pas de la licence officielle Nintendo, fortement dommage. Et ensuite un partner showcase, donc les partenaires de Nintendo. C'est pour ça que je vous préviens d'avance, il n'y aura pas les grosses licences comme Mario, comme Zelda. Parfois on peut avoir des bonnes surprises et des mauvaises surprises, et ils ont bien précisé que dans ce Nintendo Direct-ci, eh bien il n'y aura pas l'annonce de la prochaine console. Donc peut-être qu'ils vont dire, et en fait il y aura un prochain Nintendo Direct dans une semaine, hein, moi j'en sais rien. Bon, on aimerait bien, mais bon, l'espoir fait vivre. Il reste 37 secondes, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je crois qu'ils vont annoncer déjà 2-3 petits jeux qui vont être cool. Et pourquoi ils font deux directs d'un coup, alors qu'on n'est même pas en septembre, je ne sais pas. Mais bon, on est sur ma chaîne de VOD de base, je devais faire un replay de Twitch sur YouTube. Mais vas-y, on le fait sous format vidéo. Je pense normalement qu'on est plutôt pas mal. C'était vraiment une occasion de faire une vidéo sans montage. Je suis une grosse clémarde. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Peggy 18. Ah déjà! Ah non, on se calme. Oh my god, Hello mais qui fait everyone. ça? We'll now present Bonjour. today's Indie World Showcase and Oui. Nintendo Direct Partner Showcase back to back. First Ok, on commence par le Direct Partner Showcase. Indie World Showcase. Ah, on commence par lui? Mais fallait mettre dans l'autre sens, monsieur. Ça va pas. Je baisse un peu le son. Oh. Oh, c'est cute. Oh. C'est pas un truc Disney? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je dis? Je croyais que c'était un jeu Disney, moi. Ouais. Bonjour, Ambre. Bonjour, Andrew. Ok. Oh my god. Black Hole? Black Hole? Je veux les portails, d'accord. Hein? The Witch, what? Mais qui aime les jeux de cartes? Même personne. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Ils vont commencer avec des trucs pas ouf pour terminer bien, je pense. D'accord. La musique, par contre, elle m'ambiance, les droits d'auteur un peu moins. On dirait Thomas Deuzer. Pourquoi il y a mon gars? Mais. Hein? Oh, ça c'est stylé en vrai. Non. Belle ambiance. C'est tout pour l'instant. Baltro. Mise à jour gratuite disponible dans la journée. Ah bah super, il commence déjà avec un jeu dispo sur Nintendo Switch. Hola, i ara el pròxim joc Neva. El nostre joc és una història de maternitat on els jugadors assumeixen el rol de l'Alba. Començaran la seva aventura al costat d'una petita lloba anomenada Neva. Els capítols inicials del joc mostraran com l'Alba haurà d'encoratjar i protegir una jove Neva dels perills del seu món. Però al final del joc, okay. Una Neva més gran i ferotge es convertirà en la protectora de la seva figura materna, l'Alba. El equipo ha estado trabajando duro para mostrar una conmovedora perspectiva sobre cómo quienes nos protegen eventualmente necesitarán nuestro cariño y cuidados también. Estamos encantados de poder compartir las últimas novedades del juego y esperamos tu que parles trop. Alba y Neva en su aventura en Nintendo Switch. Oui, j'ai compris. Ok, bon allez. Ouh là là. Oh, les créateurs de Gris. Oh. Stylé, stylé, stylé. Ce serait bien qu'ils puissent annoncer Siberia 4. S'ils annoncent Siberia 4, c'est le plus beau jour. Ah non! Ah bah c'est pas bien. Voyage de Chihiro vibes un peu. Non! Non! Joan, ne fais pas ça!
What? 15 octobre 2024, allez, dans un mois et demi. Never. Mais j'ai toujours pas compris le but du jeu. Hein. Grimper les échelons de la hiérarchie. Ouais. Mothcubit. An ordinary employee who's recently received a promotion. Mm-hmm. But this is no time to celebrate. The threat of a mysterious event known as the final process is looming. Can Moth and his fellow bugs save the company? Or even reality itself? As you investigate the cramped cubicles and creepy corridors of the corporation, you'll befriend bugs. Hey, pour l'instant, c'est pas qu'on s'en lui, un peu, hein. Ah, vous pouvez pas balancer le prochain Zelda? Balance Animal Crossing. Dialogue choices and be sure to bring your fighting words. Your choices influence how the story progresses. There are multiple secrets, quests and endings to unravel. So experiment and see. Oh, ça me fait penser à un dessin animé. Robot Boy. Qui se souvient de ça? Mothcubit. Sans papillon. Hi guys. And Dio from Tokyo Productions in Indonesia. Indonesia. And with our much missed friend and the original creator Fahmi, we created. Oh, balancer les Sims 5 sur Switch. Hey, comment on y a le Switch? I'm Anna Winterstein, a game designer and a writer. I was the co-writer of Coffee Talk, Hibiscus and Butterfly, alongside. Butterfly. Okay. Hi, I'm Ogawa, a writer and English to Japanese games translator. Bonjour. Great to work on the Japanese translations of both Coffee Talk games. Today, Coffee Talk, ça a l'air pas mal ça. Un petit coup de game, non? To expand the Coffee Talk world. We've been hard at work over the last year. Très dur l'année passée. That retains the cozy elements Coffee Talk fans are fond of. Ouais. At the same time, brings something new to the table. And now, we're very proud to announce an exciting new game for Coffee Talk fans. Coffee Talk Tokyo. OK. On dirait un cozy game Tokyo 2025. Mais c'est l'année prochaine, hein, c'est pas maintenant. Oh, on dirait Pokémon Illumis. Ah là, par contre, on dirait grave Illumis. Pas du tout. Mais le dehors, on aurait dit. Pourquoi vous faites des jeux comme en 2013, là? Oh, c'est trop mimi. Trop mimi, Erika. C'est un matcha. Ah ouais, c'est un petit cozy game, j'ai bien l'impression. By the way. On s'endort pas, hein. Promis, promis. Je pense qu'ils vont annoncer peut-être, je l'espère, Fantasy Life, il me semble. Il y a des jeux comme ça. Ils peuvent être pas mal. Ils peuvent me rendre heureuse. Amitié et nouveau départ. Ouais, ouais, ouais. Bon, en vrai, oui, ça peut plaire à quelques personnes, ce petit jeu. Pourquoi pas? Prêt à déguster en 2025? Bah, bientôt. Et ils ont pas dit que si c'était sur la prochaine console, hein. Ils n'ont pas précisé Nintendo Switch. Let's check out some upcoming downloadable content. Ah! Ils vous emmèneront vers des endroits. Ah non, je veux dire Pokémon, pas du tout, qu'est-ce que je dis? Discover a miniature clockwork world in the Sea of Stars Throes of the Watchmaker DLC. Gear up for a journey full of oddities and wonders in which Valir and Zale will have to play new rules to put a stop to a cursed carnival. Zale will transform into a skillful juggler, while Valir will dazzle as an acrobat. Ouais, mais si tu veux. Together with new playable character Artie, they'll explore new areas and battle through dangerous dungeons in their quest to save the world. Oh non, comment ça tu fais les trampolines? A malevolent spectacle awaits when this. Ah ouais, non, mais là c'est la SNCF quand elle a peur, hein. La SNCF quand il s'agit de faire moins de 30 minutes de retard, ouais. Ouais, printemps 2025. Ils ont pas précisé que c'était sur la Nintendo Switch ou pas. Oh, j'adore. On dirait un jeu Barbie avec du rose. C'est Shrek? Power Wash Simulator Shrek Special Pack? C'est quoi le but du jeu?
C'est d'enlever la saleté ? C'est ça le but du jeu ? Waouh ! Mais c'est quoi ce jeu ? Le jeu, c'est Sam le pompier ? And get your power washing game on when the Shrek Special Pack DLC makes a splash on Nintendo Switch this autumn. Mais c'est quoi ces jeux? Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Salut, par contre le chat. Gandhi quand il a faim. Transform into a bunch of weird little monsters. It's a challenging roguelike set in a grungy, whimsical world. When I first pitched Morsels 4 years ago, it was a simple top-down shooter, which is a genre I love. Since then, with the help of Sam and our programmer Higgy. Oh, attends, j'avais pas vu le chat au milieu, je suis bête. Oh, il est trop beau. Un petit siamois un peu. Il est trop beau. Please enjoy the first ever trailer for our strange little game. Thank you. Annapurna. Vorkula. J'aime bien la musique. Il y a une vibe dépressive 23h que j'aime bien. La musique est trop bien. Eh, trouver les morceaux. J'aime bien aussi le carnet là, c'est beau. J'aime bien. C'est pas un jeu pour moi. Les pigeons de Paris. Oh la musique. J'aime bien la musique. J'avoue. Je suis mauvaise langue. Déjà 10 minutes de direct. Sauvez-les! Oh, c'est Crossy Road. C'est un peu un mélange des applications qu'on avait en 2016. Zombie Tsunami et tout, ça me fait penser. Morsels. Bonne musique. C'est validé. Février 2025. Les gars, ils ne précisent pas que c'est sur Nintendo Switch. Ça sera sur la prochaine console. Donc ça veut dire qu'elle sera bientôt annoncée. They say home is where the heart is. And that's especially true for this next game. Oh, ça me fait penser à une vidéo de Squeezie. Ce décor. J'ai plus le nom. With 100 dateable characters, there are plenty précise pas en Nintendo Switch. Fall madly in love with Cabrizio the cabinet. Become besties with Shelly the shelf. Buffy. Or come to despise Doug. Bah non. Overwhelming sense of existential dread. Overwhelming. Wow. J'aime bien les directs en anglais, ça me fait un peu bosser l'anglais. Influencer. Wow. Why don't I introduce you to Textbox-chan? Textbox-chan, mais à l'aide. With these fully voiced characters, as you get to know them and form meaningful relationships. Ouais. Bobby. Windolin. Bring your best dating game because oh non, Timothy. Timothy le chat. Mais toujours pas compris le concept. Or even disdain. Find the object of your affection. Volt. When date everything launches on Nintendo Switch October 24th. Nintendo Switch. Oui, mais il précise Nintendo Switch. Hi, I'm Sienna, the lead artist on Peglin. Salut, Sienna. The game designer of Peglin and the founder of Red Nexus Games. The two of us created the first version of Peglin at a game jam in 2019. J'ai pas vu, mais on dirait des frères et sœurs. We wanted to create something fun and physics-y. We ended up creating the first version of Peglin's battle system. Ouais. The pandemic started, working on Peglin became a fun. Oh, parlez-moi pas de ça. We made cute places and enemies for our little goblin friend to explore. We then added two of our friends to help speed up development, and now 4 years later, we're a team of seven, and we're excited to bring Peglin to Nintendo Switch. Ouais. Nintendo Switch. The dragons have been stealing your gold for as long as you can remember. It's time to delve into the heart of their lair and exact your revenge with the dragons. In this roguelike pachinko-inspired RPG, you'll aim orbs and hit pegs to deal damage in turn-based battles. The more pegs you hit, the more devastating the blow you'll deal to your enemies. Bounce you in a with a variety
C'est un jeu de billes. C'est un peu comme les mini-jeux qu'il y avait sur My Talking Tom. Genre, et Angela, c'est là qui soigne des petits chats. Ah, mais pense à ça. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Relics will radically change your game too. Equip these rare passive power-ups to prevent lethal damage or turn pegs into bombs. Mm-hmm. Just to name a few. Each run presents new opportunities for possible combinations. Oh, le dragon! Les dragons! Ah, dans la journée? Là, vous voyez bien, Nintendo Switch, parce que c'est disponible dans la journée. Et les autres, là, en 2025, pas précisé. Welcome to Wobbly Island. Oh! Oh, ce jeu! Les Simpsons! Oh, j'adore! Oh my god, trouver un travail, mais je vais jouer à ce jeu. Acheter une maison, mais je veux jouer. Je vais jouer. Ça n'a aucun sens. Oh, trop bien. Découvrir des secrets. Pourquoi tu tombes? Oh, mais j'adore ce jeu. Je veux y jouer, il a l'air trop bien. Jouer à deux ou... Oh, trop bien, il y a du online. S'ils disent que c'est en 2025 et ils précisent pas le logo Nintendo Switch, on est bon. Wobbly sorti décembre 2024 sur Nintendo. Voilà. Je vais me faire foutre. Ok. J'ai déjà vu ce jeu, non? Non, j'ai pas vu peut-être. Ça me fait penser à un jeu qui avait au tout début sur la Nintendo Switch. Au tout, tout, tout début, à deux, à un truc de ciseaux. J'en ai qui ont le nom, mais ça me vient un truc. Pardon. We make a great team. Now let's ouais, super. Oh boy. As you can see, cooperation is key. Oh non. In this puzzle platformer. Up to 8 players need to work together to navigate levels full of ledges. À faire à plusieurs, ça peut être pas mal. And other obstacles. Use strategic stacking, coordinated movement, and puzzle solving skills to find all the keys and reach every level's exit. There are more than 60 levels and each one can be completed no matter how many players you have on your side. Moi, je vais être le petit rose. Think you'll be a walk in the park? Think again. Even greater challenges await in dark mode where your skills and your friendships. Ce jeu a l'air quand même drôle, hein. Aïe, je viens de me péter le doigt. Multiplayer mischief when Pico Park 2 jumps onto Nintendo Switch. Dans la journée, là oui, il y a bien le logo Nintendo Switch. Hein. Est-ce que c'est dans la journée? Can't get enough indies? C'est fini? Headed to Nintendo Switch in the near future. Ah non! On a fait 16 minutes sur les 20. Shovel Knight. Ça a bugué. Tout, tout, tout. Là, c'est un peu le... Comment expliquer? Le best-of où il y a un peu tous les jeux. Par contre, le jeu qui bug, là, non? Oh, on dirait Yo-Kai Watch, version pas Watch. Et par contre, je pense que ma connexion... Je pense qu'il y a trop de monde. Oh! Oh! Je connais! Comment ça s'appelle? My Time at Portia, non? Jeu éclaté au final. J'ai acheté My Time at Portia, j'aime pas ce jeu. Je vous préviens. J'ai acheté en 2019. Nul. Oh punaise, c'est quoi ça? J'ai vérifié si ça fonctionne bien. Votre direct qui bug. Ah, c'est. Attends, on aurait dit Zelda? Enfin, Link. Pardon. Ça fait que 2 ans que j'ai appris ça, en fait, que le bon et le vrai. Ouais, attendez. Hop là. Voilà, pas à moi. Le vaillant petit. Page. Ah, ça, j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps. Et c'est, la traduction anglaise est plus stylée qu'en français. Ouais, si tu veux. That's all. Ok, place au partner. Showcase. Je l'ai trouvé dans la tour là-bas. Quel tour? Petite transi... Ah non! Ah la musique! On va se faire foutre pour la connexion, il y a trop de gens qui regardent le direct! Nintendo, faites un truc pour vos directs là, c'est pas parce qu'on est 14 000 qu'il faut que ça bug. Hein. Pas à moi, c'est pas ma co.
Ah, vous voyez, c'est pas moi là. C'est fou ça. En vrai, le jeu a l'air pas mal. Au niveau des graphismes, il y a une vibe un peu de Mario Sonic, tu vois. Mais ce n'est pas un jeu qui m'intéresse. Par contre, le petit jeu des bonhommes jaunes a l'air trop bien. Oh my god. J'aurais pas dit mieux. On va... Non mais c'est bon, je suis en train de tomber en paix, qu'est-ce que tu fous? Oh my god, on dirait Sonic, on dirait grave du Sonic, non? Oh, bonjour monsieur. Pizza Tower disponible plus tard, aujourd'hui. Ouais, en vrai... En vrai, par exemple, là, vous voyez ce petit jeu Shrek me fait drôlement rire. Stick around for more exciting news and updates in today's Nintendo Direct Partner Showcase. Starting right now. Ouf. Là, ça commence. Happy gaming. Goodbye. Thank you. Thank you les friandes. Je vois la transition qu'ils vont faire pour le partenaire. Ok. Nintendo Direct de la mort qui tue. Partner Showcase. Hello everyone. Enlevez le noir du Partner Showcase. On veut juste Nintendo Direct. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the second half of 2024 from our publishing and development partners. Ok, donc jusqu'à la fin d'année quoi. Pas 2025, pas 2025. Canning les classiques. Ouais. Oh, oh, un Tetris. Oh, j'adore. Oh, j'avais ça chez ma grand-mère en plus. Tetris. Oh, Tetris 2. La base au final, Tetris. Ça, c'est cool. Combattez à l'aide des techniques spéciales dans Tetris. Oui, il y a autant de Tetris. Ah, il y a tous les Tetris. Ah, j'avais celui-là, moi. Il était trop bien. Tetris, un basique. Ça ravit toute la famille. Qu'on soit d'accord. J'avais ça, la petite... Ça. 2024. Ah oui, donc il n'y a pas de date carrément, c'est pas prêt. NES. Ah, faut le online. C'est dans le pack. Ok. 99. Ah ouais, cet hiver. Et vous voyez, ils ont dit que c'était sur Nintendo Switch. On sait vers l'inconnu. Là, je vais juger en 2 secondes. Graphisme cool. Pour l'instant, on est plutôt bien. On dirait un dessin animé, non? Ça me fait penser à un dessin animé. Dare Villagers. Galactic Football, un peu l'ambiance. Un peu une ambiance Galactic Football, disons les termes. Ah oui, clairement Galactic Football. Pourquoi il y a un peu... Ah, je connais ce Pokémon. Il me fait penser à... Un Pokémon un peu magma. Wow. Customize. Non mais il y a de l'idée. Ça, c'est la meilleure position quand on regarde en direct. Ouais. J'aurais pas dit mieux. Et votre direct qui bug aussi. As you explore every corner of this vast planet, you never know what or who you'll find. How who? Star Overdrive launches as a timed exclusive on Nintendo Switch. Nintendo Switch. Do whatever floats your goat. Oh punaise. Welcome to the vast island of San Angora, where you'll take on the role of Nintendo. Qui a validé ce jeu? Qu'il se dénonce.
Je veux jouer! Ça, c'est le jeu où tu joues à 23h. Un peu torché de la journée. Oh non, mais là, Nintendo. Qui a validé ce jeu? Mec, oh, je veux ce jeu! Je veux jouer! Il y a un cochon! C'est bon. C'est trop pour moi. Un jeu de goat au final. Version je vais y jouer. Oh, je vais y jouer ce soir. Version physique. Ah mais c'est payant, ouais, je suis bête. Place à une série d'annonces et de nouvelles offres. Pas mal. Mais bon, ça m'intéresse pas. Non. Patrick. Et ils ont pété un câble, Nintendo. Yes. C'est Patrick. Non mais je m'en remets pas du jeu du goat. Bikini Bottom. Oh non! J'ai jamais regardé Bob l'éponge. Insultez-moi. J'ai jamais regardé. Scooby-Doo, j'aime pas. Genre, je pense que j'ai un peu loupé mon enfance. Patrick! Mais Nintendo, ils ont pété un câble là. And more. Step into Patrick's shorts and the inner 4 octobre. Ah, carrément, il y a un hashtag. SpongeBob SquarePants, the Patrick Star Game, launches on Nintendo, Nintendo Switch. Pre-orders begin later today. Oh non, je n'ai pas précommandé ce jeu, mais c'est très drôle. C'est vrai que j'aime bien. C'est rigolo. Ah, un jeu pour s'entretenir physiquement. Okay, let's get started. Allez, started. The latest entry in the fitness boxing series is punching its way onto Nintendo Switch. Ouais. Newly added features make it easier to train more regularly. Pourquoi ils mettent des trop BG là qui ne ressemblent pas du tout dans la vraie vie? Quick workout to jump into an exercise program. Quick workout. Right after launching the game. That's right. Put the punches together, but it looks like you've got more. Oh, ça fait bugger. Ah mais vous êtes trop beau, mais on dirait les Sims quoi. Voilà. Très BG. C'est pour nous motiver. With mit drills, you'll practice oh, les muscles. With your at your own pace. Ah, je vais pas me battre avec lui, hein, il va m'exploser. Boxing, oh, la maison du style, on dirait la maison du style. C'est la maison du style, les persos. Ou Fashion Dreamer. Il y a du Madonna. Bah, regarde la musique. 4 anciens, 2 nouvelles. Oh, c'est pour nous motiver là, qui sont les BG. Ah, elle est trop belle, elle. Fitness Boxing 3, your personal trainer, launches on Nintendo personal Switch. Trainer. Allez, let's go. 5 décembre. Oh, beau cadeau de Noël. Message subliminal. Oh non. Nintendo. Pas de jeu de guerre ou de jeu de combat. Capcom Fighting Collection. Je pense que c'est une génération trop récente pour moi. Oui, j'insulte les gens nés avant 2000, mais moi j'ai pas connu moi. Comment tu veux que je connaisse? Oh, le graphisme. Je ne connais pas ce genre de jeu, mais c'est peut-être une découverte. Mais je compte pas y jouer. Je préfère le jeu du goat et le jeu du bonhomme jaune. Oula, il y en a un. SNK. Chaque jeu possède son propre... J'ai pas lu. Jury online. You can also visit the museum to enjoy artwork and music from each game. Capcom Fighting Collection 2 launches 2025. On the Switch next year. Plus, jump into the fray when Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics Hyper Combos its way onto Nintendo Switch September 12th.
Digital pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The physical version of the game launches on Nintendo Switch November 22nd. D'accord, si tu veux, allez, let's go. Nintendo, sur ce, passons à la suite. Il reste 10 minutes de partner showcase, ok? Donc là, on est censé être plutôt pas mal. Désolé si on tournait un bruit de fond. Hein? J'aime bien le graphisme. Sympa. Ces gouttes de mémoire finissent par définir l'âme et l'esprit d'une personne. Il est juste que tu le vois, que tu les vois. Oh là là, j'ai déjà pas parlé. Mais dans ce monde, il y a différentes façons de voir les choses. Oh non, arrêtez de foutre des trucs de guerre. Elle est trop belle. J'aime beaucoup le graphisme. Et la musique. Ambiance convention. Donc. Elle est trop belle. Atelier Yumiya, l'alchimiste des semaines. Ok, début 2025, logo Nintendo Switch. Pourquoi on voit son. Atelier Sears. Allez, balancez la prochaine console. Des aventures et des alliés vous attendent dans ce jeu. Ah, c'est pas Final Fantasy. Fantasy Life, pardon. Je confonds les deux. Mars 2025. Y a pas le logo Nintendo Switch, ça m'affole. Peut-être sur la prochaine console. Jeu de combo automatique, ça sert plus à rien. La qualité est très bonne, serait-elle sur une prochaine console? J'abuse. Oh, sur Nintendo Switch, vous avez tout gâché. Oh, Dragon Quest, bah tiens. C'est un jeu attendu. Ça arrive en fin d'année en plus. Bientôt, 14 novembre. Oh, la musique, un peu drama queen là. Par contre, j'aime bien. Le graphisme a l'air cool, mais le jeu m'intéresse pas. Allez, musique. Oh, j'adore l'eau, trop beau. Pas mal. Ok. Ça se joue. Castlevania Dominus Collection. Jamais j'en ai parlé de ce jeu. Featuring the original and a reimagined version. Plus, there's a gallery that includes exclusive art and a music player. Castlevania Dominus Collection launches on Nintendo Switch later today. Oui. Build something you believe. Bâtir quelque chose en quoi vous croyez. The award-winning strategy series returns with Sid Meier's Civilization 7. C'est stylé. One of many legendary historical figures, including newly added leaders such as Queen Himiko. Si tu veux. And she can initiate diplomatic endeavors that help you research new technologies, expand your territory, establish your empire across the map, and conquer or cooperate with rival civilizations. You can even create your own path through history by choosing different. Pour les personnes passionnées d'histoire, c'est un jeu pour vous. In the modern age, you can evolve your empire into Meiji Japan, known for its scientific strength and military force. Plus, your friends can see your kingdoms collide in online or local. Oh non, arrêtez avec la guerre, par pitié. Il y en a déjà assez dans le monde, moi j'en peux plus. Turn the page on a revolutionary new chapter when Sid Meier's Civilization 7 Civilization 11 février, Nintendo Switch logo. Pre-orders are available now on Nintendo. Attends, y'a pas après mars. Forge bonds transcending time. Oh, j'ai cru que c'était Cap Humain, la fille avec les cheveux violets. Mais on dirait des animés. C'est un animé ou un jeu? Bonjour monsieur. On fait du charme. J'ai cru que c'était un Cap Humain, elle. Richard.
meet Sophie as children. Sophie, j'ai cru que c'était un cap humain. Oh, pardon, hein, désolé. Lifelong friends. Annie pour la vie. Have since passed. With their strong friendship and desire to protect their loved ones. J'aime bien le graphisme, j'aime bien. Un peu l'ambiance Pokémon, non, graphisme. Un peu. Il reste combien de temps? Ah, il reste pas non plus très longtemps, il reste à peu près 7 minutes on va dire, parce que quand ils disent 40 minutes, 44. Ils ont pas parlé de Fantasy Life, hein. 17 janvier 2025, j'ai l'impression que c'est dans longtemps. C'est dans 6 mois, même pas. Ah, ce jeu est très attendu. Je crois que c'est My Sims ou je dis. Oui, My Sims Collection. Là, les gens vont être contents. Oh, c'est mignon. On dirait un dessin animé, encore une fois. C'est mignon. Je le sens qu'il y en a qui vont y jouer. Hein. Oh, oh non. On dirait un personnage Animal Crossing. Oh. Découvrez vos villes. C'est mignon, j'aime bien. C'est les Sims version Peggy 3 en tout mignon, avec moins de packs. Pas mal. Un peu Animal Crossing, ouais. Ouais, ouais, un peu. Oh, ils sont trop beaux les cochons. Ah, j'adore. Mais oh, on peut se faire des amis. Ah oh, bah ça changera de moi. Il y a un dragon, jure. Pas un dragon, c'est... Si, c'est un dragon. Ouais, vous avez compris. 19 novembre, précommande... 19 novembre, c'est dans longtemps, réédition rétro. Oh non. Quitte à me tirer une balle, jamais de la vie, je me fais un FNAF. Oh non. Oh non, je peux pas. Les jeux d'horreur. Ah, j'adore en tout cas smoothie. Enfin, un smoothie à la boisson. Getting high scores by playing nostalgic arcade mini games. Oh non. And hopping on attractions like a log ride. Sounds easy enough. Allez hop, on tire une balle. Vous allez devoir faire tout ceci en évitant de... Oh my god, la belle-mère. Become a Fazbear Entertainment Superstar. Oh, hiver 2024. Loin de moi ce jeu, ça fait trop peur, j'aime pas. Non, je vois des jeux mignons. Oh my god. Oh non, je veux pas ça. Oh non, par pitié. Oh non, mes cauchemars. Ouais, transition s'il vous plaît. Voici quelques-unes sorties à venir avant les fêtes de fin d'année. Avant décembre. Pour ceux qui n'ont pas compris. Oh, Just Dance! Lego! Oh, le Just Dance Disney Epic. Attends, on avait déjà entendu parler, je crois. Le Disney! Ok! Disney. Les droits d'auteur sont en sueur. Tales of the Child. Ok. Pourquoi pas. Le graphisme est très beau par contre. Ça, je peux pas dire le contraire, le graphisme est vraiment pas mal du tout. Oh, j'adore Just Dance, j'ai trop envie de jouer à Just Dance. Ok, y a pas un spoil des musiques? Yes. Calabria, je vois pas. Oh, c'est Funko Pop, enfin les Funko quoi. Funko Fusion, ok. Ok, pourquoi pas. Petit jeu mignon, Funko Pop, ok. FIFA? Pas du tout. EA Sport. Electronic Art, pour ceux qui n'ont pas compris, je pense. Ah, trop bien. Version girl, avec tout. Lego. Oh, les Ninjago, quand j'étais petite, le dessin animé, c'était trop bien. Bon, là, il reste 40 minutes. Il reste là les gros jeux annoncés, je pense. La qualité est dingue, par contre. La qualité, la fluidité, je vais péter mon crâne. Ah, ils sont obligés de faire des sound effects comme ça, c'est quoi ça? C'est quoi ce jeu en fait? Welcome to the Eastern Nation of Azuma. Azuma? Rune Factory Guardian of Azuma. Je ne connais pas.
mais le graphisme est très joli. Step into a bigger adventure than je le veux en peluche. Je le veux en peluche. C'est mort. Je le veux, il est trop. Danseur tellurique. C'est une attaque dans Pokémon tellurique. Un truc comme ça. C'est un bon sacré. Frérot, tu récoltes des tomates, on se calme. Parasol sacré pour. Ok. D'accord. C'est un peu du Animal Crossing, ça. Par contre, la qualité est trop belle. Ça tourne en 60 fps, ça c'est sûr. Ça c'est du 60 fps, c'est pas du 30 hein. Ou c'est du 30 pour la Switch Oh, c'est ce qu'il y a dans bah, les japonais comme ça, rouge, j'ai plus le nom. Il y a dans Animal Crossing. Je le veux en peluche. Je sais pas comment il s'appelle, mais je le veux en peluche, le petit mouton. Oh non, c'est des capas. Oh non, des combats. Arrêtez les combats. Moi je joue Animal Crossing, je joue pas ça. On va le rythme de la vie champêtre. Pas en vue de cette musique, j'aime bien. Ah, elle est trop mimi. J'adore. Très mimi. Oh, elle est trop belle. Guardian of Asma. Ok. Logo Nintendo Switch. Y'a pas après Mars. Next will be our last announcement. Please take a look. Je m'attends à un truc de ouf. Immerse yourself in the story that started the epic saga. Yakuza. Oh non non non, c'est pas bien. Pourquoi vous terminez avec un jeu de guerre? Le jeu d'avant il était mignon. And Haruka, a young girl on the run. Two individuals whose fates intertwine. Par contre, les graphismes sont très très stylés. Tokyo. You must navigate the twists and turns of Tokyo's underworld while confronting rival gangs. Oh non, pas de jeux méchants. J'aime pas moi les jeux méchants. Rue et dragon bête. Mais je comprends pas. Arrêtez de faire les jeux méchants. There are also plenty of distractions to be found in Kamurocho. Ouais. Bah si tu veux. Oh par contre les détails du port de la peau c'était incroyable. Sega, c'est... Vous voyez pas mais il y avait le logo Sega. Ok. Vous voulez pas annoncer une dinguerie encore? Ah non, pardon. Oh non, mais ce jeu, je le veux, je le veux, je le veux. Ça, j'adore. Ça, j'aime pas. Ça, c'est mignon. Ça, non. Ça, non. Ok. Ok. J'adore. Non, jamais. Ça va. Non. Et bah voilà, les gars. On a fait le Nintendo Direct ensemble, les gars. Ah là là, ces présentations sont maintenant terminées, merci de nous avoir suivis. Bah écoutez, en vrai, bon, il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'intéressent, il y en a peut-être un ou deux qui ont l'air trop bien, genre le jeu Goat. Et My Sims qui sont plutôt dans mon registre. Après le reste, voilà quoi. Ça va pas plus loin que mars 2025, donc je me dis que c'est bon pour la prochaine console, c'est ce que je me dis. Donc on espère d'ici printemps, été 2025, prochaine console, on sera bon. Mais voilà, Nintendo, c'était, je pense, leur dernier partner showcase et Indie World de la Switch. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, en tout cas, on aura passé 44 minutes ensemble sans cut. C'est beau. Prenez soin de vous et on se retrouve à très vite sur de prochaines vidéos sur mes réseaux. Bisous les copains! À très vite, love you!